Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est parfaitement réglementaire. Tu vas quand même pas m'apprendre à jouer au foot. Et non pas but. Et non pas but. T'as eu de la chance, c'est tout. Va chercher le ballon, tu vas voir qui c'est la star. Je vois pas pourquoi j'irais le chercher alors que c'est toi qui as tiré. Eugénie, t'as touché le ballon en dernier. Alors c'est toi qui vas le chercher, j'y peux rien, tu sais, c'est comme ça, c'est la règle. Bon bah, puisque c'est la règle... Hey, là y'a faute. N'importe quoi, y a pas faute. Quel menteur! Ah, ces chiens, tous pareils! C'est de la triche! T'arrêtes pas d'inventer des règles comme ça t'arrange! Pas du tout! C'est quand même pas ma faute si les règles te plaisent pas! Tu sais, Eugénie, les jeux de ville, c'est comme ça, d'accord? C'est pas comme des jeux dans la forêt où on peut faire n'importe quoi! Ah ouais? Eh ben, des fois, je préférerais retourner dans la forêt! Elle est déjà allée dans la forêt? Oh, c'est elle, c'est sûr! Oh, c'est notre guide suprême! Les loulous, c'est l'heure du dîner! T'as qu'à aller dîner dans la forêt, si tu préfères. Allez, c'est pas grave. C'est juste un jeu. Ah, ce misérable chien. Dès que notre guide suprême sera revenu, on passe illico à l'action. Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous êtes qui? Moi, c'est Cunégonde. Voici Angélique et voici Gustave. On est venu pour te sauver. On a vu comment les autres animaux te maltraitent. C'est vrai que Wash pousse le bouchon un peu loin parfois, mais... Oh, ces satanés chiens! Ces créatures serviles sont tout le temps à la botte des humains. Comment osent-ils te traiter de la sorte, toi, notre guide suprême? Hein? Où est passée Eugénie? Oh non, elle est dans la cuisine. Elle va manger toutes les croquettes. Ah non, Eugénie n'a rien mangé du tout. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut dire quoi, guide suprême? Ça veut dire que c'est toi qui vas nous conduire dans... Eugénie? Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, eux? Nous sommes le FLLD. Front de libération des lapins domestiques. Notre mission est de délivrer tous les lapins capturés par les humains et surveillés par leurs satanés chiens. Mais bien sûr. Allez, viens. Ils ont l'air complètement zinzin. C'est faux. Ils sont hyper sympas. D'ailleurs, je reste avec eux. De toute façon, nous n'irons nulle part sans elles. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez de régler cette histoire au lancer de carottes? Si c'est moi qui gagne, vous partez et Eugénie reste avec nous. Et si je perds, Eugénie part avec vous si elle en a envie, d'accord? Je suis d'accord. Vous allez voir à quoi ressemble un vrai lancer de carottes. Alors ouvrez bien les yeux. Avec un lancer pareil, Eugénie n'est pas prête de partir. Merci, Wash. Bah,
En avant toutes, camarades. Eh, mais attendez, c'est de la triche, ça. On n'a pas le droit de... Si, on a le droit. Je connais très bien les règles du lancer de carottes. Alors, où est-ce qu'on va? Dans l'endroit le plus merveilleux du monde. On t'expliquera plus tard. Pas devant cet idiot de chien. Allez, salut, à bientôt. Mais, Eugénie, tu peux quand même pas abandonner ton grand frère. Laisse tomber, Sam. Eugénie préfère partir avec des tricheurs. Non, c'est toi qui n'as pas arrêté de tricher au foot hier. Et d'ailleurs, c'est toi qui mérites de rester tout seul. Attendez, je pars avec vous. Moi aussi, je veux faire partie du Réfélodé, là. Tu devrais plutôt fonder le PMIL, le Parti des mauvais imitateurs de lapins. Camarades, je vous présente Gégé et Dédé. Tous les trois, on forme le FLOD, le Front de Libération des Oiseaux Domestiques. On peut venir avec vous? Et les pigeons, c'est pas domestique. Allez, ça suffit, on y va. Attendez, c'est mes meilleurs amis. Alors soyez un peu sympas. Très bien, ils peuvent venir avec nous. Le bonheur de notre guide suprême passe avant tout. Alors, où est-ce qu'on va? Dans la forêt, le pays de la liberté. Hein? Dans la forêt? Mais c'est pas du tout le pays de la liberté. C'est même le pire endroit sur Terre. Oui, c'est très dangereux là-bas. Il y a d'horribles prédateurs qui rôdent. N'importe quoi, il n'y a pas pire prédateur que les humains des villes. La forêt est notre salut. Eh ben, en tout cas, moi, je vais pas là-bas. Tu es notre guide suprême, la seule qui ait déjà foulé la terre promise. Emmène-nous, je t'en supplie. Sans toi, nous ne pourrons jamais réaliser notre rêve. D'accord, mais vous viendrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Partons, nous allons tous en forêt. Youpi! Voilà, on y est. Ça, c'est la forêt. Waouh, c'est top, j'adore. Tout est si naturel ici. Faut pas traîner trop longtemps dans le coin. On risque de tomber sur Mitch. Sam a raison. Si jamais il nous voit, ce gros ours grognon nous laissera jamais retourner en ville. Merci, Eugénie. Merci du fond du cœur. Mais pourrais-tu nous emmener dans un endroit un peu plus lumineux? C'est un peu sombre ici. Voilà, ça vous va, là? Formidable. Camarades, enfin, nous sommes libres. Oh, ce petit périple m'a ouvert l'appétit. Quand est-ce qu'on mange? En fait, dans la nature, il faut aller chercher la nourriture soi-même. Merci, Eugénie. C'est très gentil de ta part de t'occuper de ça. Mais il faut que vous appreniez à vous débrouiller sans moi. On a déjà voté. C'est toi qui gères le repas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pourquoi il n'y a pas de carottes au menu? Parce que les carottes ne poussent pas dans la forêt. Oh, et puis débrouillez-vous, hein. Nous, on rentre. Jamais. N'oublie pas que tu es notre guide suprême. Tu dois rester avec nous. Et si tu t'en vas, on reviendra te chercher parce qu'on sait très bien où tu habites. Et le FLLD n'abandonne jamais. Oui, alors maintenant, dépêche-toi de nous trouver des carottes. Partez, restez pas là. Rentrez chez les Livingstone. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû partir avec eux. Tu pouvais pas savoir. Moi, je t'abandonnerai jamais. Un vrai canari n'abandonne jamais ses amis. Et oui, moi non plus. Mais peut-être que je pourrais quand même rentrer chez les Livingstone pour aller chercher... Je vous ai suivi, Eugénie. Enlève ton costume pour montrer au FLLD que t'es pas un lapin. S'ils découvrent que t'es pas leur guide suprême, ils te laisseront partir. Wesh, t'es vraiment génial. Mais c'est pas une raison pour recommencer à tricher quand on sera rentré chez les Livingstone. Regardez, je ne suis pas un vrai lapin. Je ne peux pas être votre guide suprême. Oh, ce drôle d'animal a dévoré notre guide suprême. Celui qui imite très mal le lapin disait vrai. La forêt est remplie d'horribles prédateurs. Fuyons! Avant d'avoir récupéré le pelage de notre guide suprême, FLLD, avec moi. Obligée de rester dans la forêt. Jamais. Ça, c'est une mission pour le FLOD. Oh,
Vite, nous sommes poursuivis. Escadron, en formation. Vite, par là. Est-ce que ça va? Tiens, tiens, oh, des petits nouveaux. Oh. Ravis de vous rencontrer. Merci, Suzy. Et merci, les amis. Vous avez été super. À votre service, madame. Au FLOD, on se serre les serres. À la prochaine. Bon, ça vous dit de rentrer chez les Livingstone? En plus, il y a un match de foot à la télé. On pourrait vérifier les règles. Oh là 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 là, quel coup magnifique! Christopher vient d'être sauvagement mis à terre par son adversaire. Tu vois, il n'y a pas faute. C'est bien la preuve que je triche pas. Bien sûr que si, tu triches. On est en train de regarder un combat de boxe, là, pas un match de foot. Tu crois que Gustave, Angélique et Cunégonde s'en sont sortis? T'inquiète pas, petite sœur. À l'heure qu'il est, je suis sûre qu'ils sont bien au chaud dans la maison de leur maître. Vous allez voir. On va être bien ici, tous les quatre. Faites-moi confiance, je vais bien m'occuper de vous.